Aujourd'hui, c'est l'apothéose des 50 jours de jeûne que nous avons observé. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que nous ne pouvons marcher dans la victoire si nous ne jeûnons pas. Nous combattons avec des esprits des ténèbres et nous avons besoin de la puissance de Dieu pour pouvoir vaincre, pour pouvoir marcher même la vie de sanctification. Nous devons être des enfants de Dieu disciplinés. Et le jeûne fait partie de la discipline du chrétien. Moi, j'ai encore expérimenté la puissance de Dieu, la plénitude du Saint-Esprit. Et tout ce que j'ai demandé au cours de ces 50 jours, j'ai déjà vu beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie. Et je lance un appel solennel à tous ceux qui n'aiment pas jeûner, qui se font du mal, qui ne pourront pas vivre une vie chrétienne, une vie de victoire. En cela, je lance un appel solennel à tous ceux qui ne jeûnent pas, de se mettre à jeûner pour pouvoir vivre une vie de victoire au nom de Jésus. Une prière là, particulièrement de Dimitri Nianto. J'aimerais une prière de 50 jours fort. Si on a 3 jours, 7 jours, 14 jours, voyez là, et on va donner le signal pour que vous puissiez me gagner des rangs. Mais je vais me tourner le 9 septembre. Dans 10 jours, je vais me faire assis. Nous, nous sommes en train de faire des choses. Le 19 septembre, là, à cause de vous, alléluia. Je vais vous voir pour gagner dans le temps. Je à Potana 50 jours. Et dis moi du nom, pour recevoir du dîner américain, pour recevoir du dîner américain, les Jésus-Christ au bon compte.